Allez, Vladimir, les des petits temples, allez là. Des petits temples. Non, mais ça, c'est comme non. Non. Sarah. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Sarah? C'est pas clair, ça. Sarah, elle a pas pris son gobelet. Alors peut-être. Genre français. Vladimir. Ta tasse de... Tu ne m'as jamais dérangé jusqu'à présent. Ah ouais? Mais j'ai plus de regrets qu'à l'ordinaire. Ta tasse de merde. Fait tressaillir. Voilà. Tu prends ça à la place, voilà. Bon du coup... Iris aurait besoin d'un petit coup de clé à molette. On la remettra en état. J'ai donné le scan pour vous. Les ténèbres reculent d'une chandelle de bois. Les ténèbres, je sais pas si j'en... Non, j'en ai pas. est-ce qu'il y a un autre temple? J'ai parcouru les cartes à la recherche d'une autre correspondance. Ah. Je pense que celle-ci peut valoir le coup. Les temples, pour moi, c'est top priorité. Hein. Moi, je veux savoir les... Encore sous Procyon, mais bordel, mais... en fait, tous les temples se trouvent là-bas. Mais j'ai l'impression que Procyon, on y va tout le temps, en fait. C'est abusé. Combien de fois on est allé sur ce putain de système? Mais attends, mais c'est quoi ces conneries? On a déjà été ici. Ah non, c'était une relique. C'était une relique qu'on a trouvée ici. Oh, ouais. C'était pas un temple. Oh non. Oh non, monsieur Chocobo. Vite. Non mais... JPP. Vite avant qu'il y ait des conneries qui arrivent. Ah oui, cette image. Incroyable. Mais cette image en fait en train de me dire que dans ta carte bancaire t'as un dollar en fait. Bravo. La guerre, monsieur Chocobo, la guerre. Bon, de toute façon faut trouver un temple. Attends. Aïe aïe aïe. Attends, j'ai le bon pouvoir ou pas? Ouais. Ça, on y va, Barrett. On est en train de cramer, tout va bien. C'est quoi ces conneries? C'est là. T'es en train de me dire, Master Chocobo, sur cette planète, il y a 5 traits? Holy... Ah oui, c'est fait 193 degrés! Wow! Il y a 5 traits dans cette merde. Holy moly. Est-ce que tu vois un temple? Je vois pas de temple. Par contre, je vois un truc bizarre là-bas. Hein. Ah, c'est pas... ouais, c'est bon. Temple en vue. Escape des ressources, t'inquiète pas. Mais là, il y a que de l'aluminium, malheureusement. Mon cher et tendre Master Chocobo. Ah. Ça, par contre... Allez. Plus qu'un, je pense, et le scanner va pouvoir level up. Plus qu'un. Tu me suis, Barrette, ou pas? Il me suit. Bon. Putain, y'a 5 traits dans cette merde, quoi. Holy moly. Ouais, je pense que la dernière ressource, Master Chocobo, j'ai dans le fion là. Attends, c'est quoi? C'est l'aluminium, ça, je pense. Qu'est-ce que je trouve sur l'arbre? Je sais pas, mon personnage a décidé de monter cette merde. Le temple chie! Bon, je veux savoir c'est quoi comme pouvoir. C'est dans ces moments-là que je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir faire ce métier. Vos armes ne consomment plus de munitions, tu sais. Oh! Pendant 30 secondes. Avec la sulfateuse, c'est. Non mais par contre, par pitié, attends, ah oui, peut-être je peux faire ça? Non. Allez, c'est parti! Puis-je survivre dans cette chaleur? La force, ma chère Chocobo!
La force? Les dieux! C'est tellement le mini-jeu dans FF10 quoi, putain. C'était une feinte. Ah, vite. Voilà. Les dieux. Qu'est-ce qu'on a gagné, Master Chocobo? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et ne faire qu'effleurer la surface. Le ressenti, c'était... Qu'est-ce qui se passe? Oh, y'a un gardien! What the fuck? Attends, c'est le moment, Master Chocobo, de tester... Attends, peut-être pas notre nouveau pouvoir, mais attends... Voilà, c'est vraiment de tester le combo. Il est mort, Barrett. On l'a désossé. En plus, ça met des saignements et tout. Hein. Je raconte pas l'enfer du truc. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné du coup? Liez-vous aux particules de la création et ressentez l'énergie vitale de n'importe quel humain, alien ou astrien. Comment ça? Ça coûte que dalle en énergie. What? C'est pour me soigner? Oh, Barret, tu brilles. Ah, c'est peut-être pour voir les ennemis, peut-être. Jamais le temps de s'ennuyer. Ah, je pense que c'est un voilac. Et voir, attends. Ah ouais. Oh, en vrai, d'accord, ok, pourquoi pas. Oh, en vrai, c'est pas mal. C'est déjà vous, des fois, quand il y a 15 ennemis dans une zone, et que c'est en mode, ouais, il y en a qui sont au sous-sol, mes couilles, je ne sais où, c'est chiant. D'accord, bah c'est pas mal. Détection de la vie, oui. Un voilà quoi. Après, oui, ça marchera pas sur les robots du coup. Très bien. Et ben on prend. Genre les robots, l'étoile, ça je pense c'est. C'est grillé. Maintenant, la question, ma soeur Chocobo. Est-ce que Vladimir a trouvé un autre temple? Ou est-ce que c'est trop tôt? J'arrive. Mort. Hop 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 hop. Lewis. Vous entrez dans l'espace de l'Union coloniale. Oui, c'est bien. Votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. C'est toujours pas réparé comme un con. Oui. Vladimir, dis-moi t'as notre temple. J'ai nettoyé du sang un peu partout sur la station. Sale boulot. Aïe. Par contre, et Vladimir, range tes affaires un peu quand même. La solitude m'a jamais dérangé jusqu'à présent. Mais j'ai plus de regrets qu'à l'ordinaire. Chaque bruit me fait tressaillir. T'as de la chance. Dans un des artefacts que t'as ramené, j'ai remarqué un schéma. Tiens. Sur Altaïr 4C. On est parti, ma soeur Chocobo.
Mort, mort. Ici. Ah mais c'est en plus j'ai mon avant-poste. C'est là que je vais faire mon tungstène. Nom. Putain par contre ça a l'air de cailler là. Oula. Speedrun. Les étoiles de type K et G ou F possèdent plus de planètes, d'accord. Moins 12 degrés, ça va. Oh, petite planète. Bon, j'ai pas pexé le scanner là. T'as encore un quoi, je suis deg. Je pense qu'il y a 6 ressources, oui. Allez là-bas. Ah, c'est bon, allez, ma sœur, je allez, le scanner niveau suivant. C'est parti. C'est parti, j'ai dit. Voilà. Oh non, non, mais faut le faire 50 fois! Holy moly! Et 50 fois pour le d'un niveau, c'est ça? Oui, trop bien. Ça va. Voilà! C'est utile et c'est précieux. Je vais pas utiliser mon pouvoir en mode scanner, c'est chiant. Je pense que le temple est là-bas, non? Non, c'est pas un temple. C'est quoi ce bruit? Non, c'est bon, ok. Par contre, j'avoue, le zoom, ouais, sur le scanner, ça fait du bien. Hein. Non, ça a l'air d'être un truc pourri. Ouais, derrière cette dune, il se passe un truc. Ok, c'est bon, vu. Déjà le zoom c'est confort hein. Le temple Zeta. Le temple des dieux. On scanne. Par contre, au bout d'un moment, je me demande si les derniers temples c'était infaisable avec un jetpack niveau 1 en fait. Est-ce que au bout d'un moment, vraiment qu'on mette des points de jetpack? J'espère pas. Bon, le jetpack, on verra ça demain. Hein. Un pirate a pas besoin de jetpack. Un pirate a juste besoin d'un bon flingue. Et d'un bon vaisseau. Qu'est-ce qui se passe? On est trop loin là. Ça va me troll. Ah non! 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 Connard de jeu! J'avais les pieds coincés dans le truc! Hein? Quoi? Merde, ça va compter! Tu fais ma gueule Barrett, je crois qu'il fait genre moins 15 degrés ou un truc comme ça. Ça va. Moins 15 degrés c'est supportable tant qu'il fait pas moins 180. Je
te plaît, Barry, s'il te plaît, s'il te plaît. Les dieux! Et la Master Chocobo, dépêche-toi, dépêche-toi, sans ton arme, sans ton arme. Elle est à la fois extraordinaire et fonctionnelle. Ah mais j'avais pas loot, ah mais non c'est... Grenade. Ah c'est qui loot pas, c'est con. Ah mais franchement Master Chocobo, je pense qu'on a un bon combo hein. Oh là 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 là. Moins 15 ça passe easy, mais oui je crois il fait moins 15 cette planète là, Barret, tu fous de moi là. Viens faire ça de suite. Là c'est pas marqué là, je pensais que c'était marqué. La montre. Il fait moins 12. Moins 12 Barret. En plus regarde, t'es en Marines. T'as un super casque. S'il te plaît. Alors c'est quoi notre nouveau pouvoir Monsieur Chocobo? La ruée gravitationnelle. Manipulez la gravité pour vous propulser vers l'avant et augmenter brièvement les dégâts que vous infligez. What the fuck. Alors ça m'intéresse de ouf. Tu vois. Ah c'est un dash. Ouais oh, c'est un dash mais je suis un peu déçu. Oh le dash pourri. Attends. Ah merde ça marche. Ah oui ça marche. Y a pas de direction en fait. Oh. Bon après ça peut servir peut-être. Ouais. Peut-être ça peut servir. T'as payé ton dash quoi. Oui. C'est nul Master Chocobo. Merde. J'ai fait le con. Ce jeu est nul. On peut se TP direct. Bon on va où Barret du coup? Où est-ce qu'on va? C'est vrai qu'il y a les chantiers spatiaux, ça m'intrigue. Super fan. C'est quoi ça? Ah oui mais oui c'est la quête de la DJ. Ouais ça j'ai oublié. Alors est-ce qu'on fait ça Master Chocobo là, le baron là? En fait j'ai même fait une quête, un donjon à la con. C'est un peu d'un boost de DPS mais vu comment c'est dit j'ai l'impression que c'est du cac hein. Non pas forcément, augmentez brièvement les dégâts que vous infligez. Ouais. Bon on verra ça demain écoute hein. Après c'est... Ouais c'est... Ouais. Oh c'est chiant Master Chocobo. Après pour le cac j'avoue c'est pas mal hein. Même avec une arme en fait. Genre tu dashes sur le mec, tu lui mets un coup là, pas de hache ou un truc du genre là, bim. Mais bon, on verra ça demain. Tac tac tac. Parler à la fille. J'ai tout ça comme quête du coup. Après on peut faire ça hein. Il est quelle heure là? 10h36 ouais. Vas-y on va faire une petite demi-heure d'exploration. Puis après on ira aux chantiers spatiaux là. On voir ce qui se trame là. Ah ils disent que ah, c'est ça on connaît pas la gueule des étoiles ici. Tic spectral. J'ai pas... Oui, lune, ok, avant-poste. Idée catalogue, ouais. Ok, où est-ce que je dois aller? Oula, oula, Master Chocobo. Oula là. Niveau 35. Niveau 35. En vrai, c'est jouable, hein, Master Chocobo. Hein. Ça me fait pas peur. Hein. Ça sent la connerie. On va tomber sur des pillards niveau 3000. Y'a quelqu'un. Bonjour. Allô. Pourquoi avoir lancé l'appel? Vous avez besoin de quelque chose? Bon, peut-être bien, oui. Quelle pelle, y'a rien d'éthéré par ici. C'est une blague d'enfer. Je me tiens les côtes de rire. J'ai vraiment trouvé la bonne pioche pour aller avec mon appel. Bien joué, bien joué. Le système est terminé. Ah non. Appel ailleurs. A plus. Eh ben sus. Connard. Ouais, c'est quoi ce système solaire là? Y'a du monde là? Qu'est-ce qu'on a ici, Master Chocobo? Ah ouais. Surtout en fait, qu'est-ce qu'on a comme planète?
qu'est-ce qu'on a au menu Ouf, bah tiens, regardez du fluor là. Ouh, t'as hélium, aluminium, chlore, cuivre, fluor. AU, c'est de l'or, ouais, je crois que c'est de l'or. Hein. De l'or. De l'or. Ok, ok. Ok, ok. Cobalt, argon, fluor. Il y a un peu de tout. Alors, je dois aller où là? Ah oui, non, mais c'est pas que je dois aller où, c'est que je dois trouver. Oh putain, mais quel enfer. Quel enfer, Master Chocobo, pitié. Non, mais jamais de la vie on va trouver ça, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ça me joue déjà cette quête. C'est quoi ça? Dysprosium. Liquide ionique. Ok. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a en fait ici? Un poste scientifique. Bon, regardons un peu les éléments d'intérêt. Usine d'Oxtar autonome, ouais. Un avant-poste civil. Ça peut être intéressant. En fait, le souci que j'ai. Complexe robotique abandonné, d'accord. Le souci, c'est que. La quête là. Les bombardements machin truc, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Je sais pas à quoi ça ressemble cette histoire. Bombardement de bolides, c'est... ouais. Ça peut être déjà une piste, genre ça se trouve, y a plus de chance de trouver ça dans une planète rocailleuse, océanique, d'herbe ou je ne sais quoi. Parce que là, ouais, y a rien là. Ouais, c'est évidemment, là je vois pas les traits sur les autres, évidemment, évidemment. Bon, écoute, ma soeur, est-ce qu'on fait un tour ici? Magnétosphère, puissant. Ah, y'a de la faune, y'a de la flore. Y'a des bestioles. Très bien. Bon, je vais me poser là, tranquille. On va dire bonjour. Et là, c'est un avant-poste minier de Spacia. Oh, mais c'est ce qu'on va voir. Ah, après, ça va pexer le scanner, hein, donc au final, on perd rien, on perd rien. Si on a le scanner niveau max à la fin du live. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que ça? Des batraphaces. Oh, il y a du monde, là. Moli, moli. Niveau 45 le machin. Ah oui, il va bouffer tout le monde, d'accord. Ah oui, non mais... Attends. Oh, il est tellement rapide. C'est quoi cette merde, Master Chocobo? En plus, on voit rien. Attends, on va prendre ça là pour l'autre con là, parce que... On va avoir besoin, je pense. Il est où là? C'est lui là. Étrange ce bruit. Et ramène-toi. Ramène-toi à la petite rat là, vas-y. Il est bugué. Oui, il fait quoi? Allô? Il s'en bat les couilles, hein. Il s'en bat les couilles, faut croire. S'en bat les couilles, Master Chocobo. Niveau 45, ça pue la merde. Tout simplement. Vous êtes pas prêt pour ça. Et moi si. Ok. Saloperie. Mon problème c'est que... Ah oui, il faut que j'aille là-bas, oui.
Ah non, ils ont mangé tout le monde. Oh, t'es vivant toi ou t'es mort? Joli. Les données scannées peuvent être extrêmement précieuses. On est déjà à 13 MDR. Ça va tellement vite. J'entends plein de bruit, c'est casse-couille. C'est le bordel hein, c'est le bordel ici. C'est le bordel. Ah, l'avant-poste. Bonjour, vous êtes gentil. Comment c'est civil? Non, j'ai pété une pile. Bonjour. Je scanne hein, excusez-moi. Ils ont pas l'air très rassurés les mecs hein. Qu'est-ce que nous avons là? Vous avez de quoi tirer, alors on a besoin de vous. Ah, là on cause là. Je vous invite à la prudence. Les machines. Vous avez besoin de moi? La direction indique que je pouvais vous vendre notre excédent de minerai. Ça vous intéresse? On est ouvert si vous voulez jeter un œil. Ouais, vas-y. Voilà pour vous. Il a un peu de sous. Ah, si vous voulez des armes, moi j'ai ce qu'il faut, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous vendez là? C'est de la merde. L'europium. Du plomb. C'était quoi qu'il me fallait? C'était du fluor. Ils en ont pas. Terrible. Ils sont nuls. Par contre, ça je prends. Et puis voilà. Hein. Bon, c'est quoi votre travail? C'est le meilleur job de tous les systèmes occupés. Une journée, paix minable, taux de mortalité élevé. Le rêve. Parfait alors. Faites gaffe à vous. Vous avez pas besoin de moi du coup, y a pas une petite quête ou... Qu'est-ce qu'il fait lui? Je compte les minutes jusqu'à la fin de mon contrat. Je parierais la moitié de ma paye que le Bitcoin mining a jamais vu une découpeuse laser. Je pensais que personne ne viendrait jamais aider, ah. Mais vous voilà. Oui, bonjour. On effectuait des scans de routine quand une meute de créatures locales a décidé qu'on ferait un bon repas. Om nom 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 nom. C'est seulement à notre tour qu'on a réalisé qu'un membre de l'équipe était encore là-bas. Il faut que vous la rameniez. Vous ferez ça pour nous? Si t'as longé le crédit, oui. Croyez-le ou non, mais j'étais justement à la recherche d'une personne en détresse, pas du tout. J'ai commencé mes recherches. Merci. Prenez soin de vous. Il est un tiers maître. Et les crédits dans l'histoire? Vous croyez que j'ai accepté un job dans un avant-poste minier paumé parce que j'aime discuter? Oh, Master Chocobo. Oh, expert. Après, c'est des pauvres mineurs. Ça se fait pas, je crois. Ça se fait pas, Master Chocobo. Ça se fait pas, hein. L'Empire a besoin de sous. L'Empire des Vladettes. Je pense que c'est le coffre expert le plus simple de ma vie, honnêtement. Tais-toi. Pistolet légendaire. On le flingue à la James Bond. Attends, déjà, s'il te plaît. Plus 30% de dégâts contre les extraterrestres. Radioactif, Tesla.
Holy moly. On se flingue de fou. Toujours vous regarder travailler. Bah attends, on va le tester, Master Shikobo, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai mis mon petit pipiou de base, attends. Mais t'as 99 d'attaque. Holy moly. Mon flingue de base, Il fait combien? Je vois pas. Il fait 55. Le level up. Fais voir du coup ce machin là. Ah ouais, l'arme elle a juste bond quoi. En plus ils ont des problèmes des aliens. Mais c'est ça, voilà, ouais, c'est pour ça. Là le plus de dégâts là mon pote. Enfin faut j'aille où du coup? Je ne sais pas. Ah non mais c'est la carte qui est mise à jour, non? C'est pas ça ce qu'ils avaient dit? J'ai pas compris. J'ai pas compris. À l'abandon. Ouais. Et je sais où il est ou pas? D'accord, il est là-bas. Allons-y. Tout en scannant, Master Shikobo, évidemment. En fait, j'entends tellement de bruit parasite, ça me fait trop flipper. Il y a un xénomorphe qui va me sauter dessus. Genre ça là. Il est prudent ça là. Des fois, c'est un mini cône rouge, mais en fait, il est gentil quoi. Arrêtez de me faire peur comme ça. Ah, le problème, c'est que je suis surchargé, c'est ça? C'est chiant. J'ai quoi comme pouvoir déjà? C'est pas ce qui me semblait. Y'a pas un moyen de bind les pouvoirs, non? On peut pas. Ah, favori! Ah oui, mais non. Ah, mais comment ça? Ah, mais attends. Ouais, mais j'ai plus de place moi dans les favoris! Franchement. En vrai, la découpeuse, je crois, ça sert à rien. Hein. Parce qu'avec le scanner, je la sors automatiquement, je crois. Alors, du coup, est-ce que ça marche ou pas, mon idée? Ah oui, Master Shikobo, ah oui. Ah oui, oh, ça, c'est trop bien. Et du coup, si je fais ça. Non, non, c'est quoi la touche? Ça? Non. Ah mais c'est juste pour switch, ça ne trigger pas le pouvoir. Ah ouais d'accord, ah ouais c'est, oh, c'est un peu con quand même. D'accord. T'as une saloperie là-bas là. On va s'expliquer. Putain il a, elle est à 700 mètres là la meuf là. Oh c'est quoi ça Master Shikobo? Des vuvuzélisques. Oh c'est quoi cette merde? Ils sont 30 milliards. Oh ce bordel. Ah salut Mumba. Bienvenue à toi. On explore une planète niveau 35. Mais Barrette. Et Barrette fait de la merde. Oh ouais les dégâts du flingue, holy moly. Ah par contre les munitions c'est... Oh merde. Barrette qu'est-ce que t'as fait? Barrette. Oh merde non c'est pas ça que je vais faire. Oh le con, oh le con. Ah par contre les munitions du flingue, ouais c'est pas la même chose en fait. Bon bah Mumba, nouvelle arme, t'es prêt? Grenade. Vous êtes tous morts. Bon en fait le pistolet silencieux, désolé mais ouais. Attends mais c'est quoi cette arme là? Qu'est-ce qu'elle a comme munition là? KB 45, c'est comme mon Magnum c'est ça? T'es en train de me dire? Ah non c'est Ultra Mag. KB 45. Bon je vais jouer encore un peu avec ça. Doom tier. Bah de mourir mais non toi bien. Il en a vu les conneries. Vous avez ce petit morceau de... Oui, ça, juste là. Barrette avec le couteau, c'est oui. Est-ce que vous savez... en mode Far Cry, c'est...
Bah c'est comme ça la nature nous remercie après les avoir aidés quoi. Putain. Ah par contre Mumba, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer Mumba. Putain ouais, c'est dégueulasse, oh ça se mob dégueulasse. Mumba je suis désolé mais Sarah est morte, voilà. Sarah nous a quitté. Rip Sarah. Et par qui Mumba? Le chasseur. Le chasseur est un alien. Il nous a attaqué. C'est ce qui s'est passé au début du live. Et on a trouvé Sarah dans une mare de sang dans l'iris. Rip. Bon bah une chante en moi. Mais après bon là, Sarah elle était quand même un peu gentille quoi. Elle méritait pas de mourir comme ça. Mais en tout cas voilà, le chasseur c'est un astérien quoi. Ouais c'est... On va se calmer là. Vous allez pas me charger j'espère. S'il vous plaît arrêtez. Rip Sarah. Oh là là, on va se calmer. On va se calmer. Donc voilà, et du coup là on a débloqué de nouveaux pouvoirs Mumba. On a un Wallach pour détecter la vie autour de soi. Et un dash, un truc pour dasher, commande les dégâts, bon c'est un peu de la merde. Voilà. qu'est-ce que c'est que ça là, crabe ouais. Les crabes corail là il faut que... Oh shit. Ou ça c'est les embrouilles ça. Ça c'est les embrouilles ça Mumba. Oh non. Grenade ! Ça suffit. Tu dégages. Et voilà, rip Sarah. Rip. Donc là, on a encore pris. J'ai la mauvaise idée de prendre une quête où il faut trouver un trait de ses morts. La quête qu'on a jamais réussi. Mais par contre, voilà. 13 000 de thunes. C'est des bestioles ça? C'est quoi ça? C'est des mouches! Des grosses mouches. Par contre, là, notre scanner est à niveau 4 et là on se met bien là. Oh shit. Où est Ok. Non bah arrête. Laisse-les. C'est la nature. La nature est belle. La nature est belle. Mais n'empêche, je t'invite à voir le début du live, hein, Mumba. Parce que direct que je lance le live, direct c'est les embrouilles, hein. Et à cause de ça, j'ai pas pu. Cours. Et à cause de ça, j'ai pas pu vendre ma merde en off. Ouais franchement juste à la limite la grosse romerreur. Bien sûr tu comprends ce qui s'est passé avec Sarah, ça c'est un délire. Mais putain le chasseur quoi, le chasseur merde. Donc, là le chasseur Mumba c'est très simple, c'est Sephiroth là, littéralement. Voilà il a tué Aerys. Donc là il faut qu'on le trouve. Sephiroth. Ça devrait faire l'affaire. Ouais alors attends là ça peut les embrouiller Barrette là ton histoire là. Fait plein de munitions. On recharge tout. Le magnum il commence à être un peu dépassé, je sais pas ce que vous en pensez mais... Quoique l'eau, c'est vrai que l'autre fois dans le... C'est vrai que l'autre fois dans le vaisseau, bon je one-shot et tout avec mais...
Mais le magnum, par contre, contre les bestioles, c'est pas terrible. Allez, cherchons madame. C'est un teasing pour FF7 Rebirth, ouais. Putain. Bon, je pourrais miner le fluor là, mais bon. Putain, mais c'est quoi? On est dans des branches galactiques ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. J'aime pas trop beaucoup ça. Non. Non. Bon, ça y est, il y a les coffres à l'eau, tout ça, non mais. On va aller droit au but. Mon scanner il est déjà à 35. Mon mage a atterri sur la planète à la limite. J'ai déjà 35 sur 50 hein. Holy moly. T'inquiète pas, je suis là pour bouger tes souffrances. Oh non pardon, j'en peux pas. T'imagines c'est long. Oui, oui, oui. Tout va bien. Vas-y, tiens. J'ai pas de kit aux... Oui, non, mais c'est bon, ouais, ok. Allez, donnez-moi ça. Bah, tu dis-moi merci, t'as quand même. Connasse. Je me sens beaucoup mieux. Le pardon, merci, t'es en option. Il faut qu'on se tire d'ici. Passez devant. Toi, t'es un astérien, toi. C'est bon, on est parano, tu sais. Ah, aussi, Mumba, du coup, les. Bon, tu verras dans la rediff, mais. En fait, la loge a été attaquée par le chasseur. On fait voir ça. Ah, d'accord. La loge a été attaquée par le chasseur, et du coup, on a été de déplacer les reliques. Et les reliques, où est-ce qu'elles sont maintenant? À Sanctuary. Avec 5 toiles autour. Et les reliques, c'était soit on les pose dans un avant-poste, ou soit on les garde dans le vaisseau. Alors, dans le vaisseau, je me suis dit, bon. Déjà, les chasseurs de primes, c'est la galère. Alors, si je me tape les astériens en plus. MDR. L'une de mes premières missions était de tout scanner sur des lunes sans vie. Si c'était nul. Je vais même TP là. Non, je raconte pas la galère. Je sais pas. Si, on peut y aller. Mais non, parce que putain de merde. Oh... Barrette. Bonjour. Bien sûr que j'ai. Laissez-moi porter. Mon cher Barrette. Non, mais ça découpe, je la garde. Ça, je garde aussi. C'est ça, tout ça qui pèse lourd là. C'est un peu de ça, effectivement. Il y a un peu de ça. Sacré défense, ouais. Bon, c'est des toiles à la con, quoi. Y'a un cafard là. Il faut scanner le cafard. Oh merde. Quelle embrouille. C'est bon, on a eu les cafards, on se casse si j'y arrive. J'ai pas en combat là, j'espère. Merci. Ah oui, cette photo je l'avais prise en off parce que voilà, je trouvais ça drôle. Les deux contre le mur. Je suis en mode qu'est-ce que vous foutez. Oh Mumba, y'a un cactus, Mumba, y'a un cactus. Cactus. Au secours. C'est bon, j'ai ramené votre Bambi. Maintenant faites péter la thune. Ah mais y a un truc là. Tout le monde est soulagé maintenant qu'on est tous réunis. Merci. Tenez, c'est pour vous. Vous le méritez. Bonne chance pour la suite. Au moins 18 000 là. La pauvreté me dégoûte. C'est des mineurs, c'est des mineurs. Par contre, ça m'intéresse.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous? D'accord, elle est partie tuer ses employés, on dirait. Bon, de toute façon, le trait ne se trouve pas là, on a compris, mais... il reste encore des trucs à scanner, là. Oh. Oh non, Mumba, non. Par contre, c'est ouf, comme quoi les mobs, ils peuvent être des fois niveau 5, niveau 3000. Oh, la différence de niveau. Attends, c'est comment ça? Prudent. Prudent, ouais. Enfin, je vais scanner ces merdes, là. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est quoi, ça? C'est le cactus, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Le crabe. Petit crabe. Voilà, Mumba, ça c'est de la quête. Oh. Ah, ça, ça peut être intéressant, ça. Faut qu'on aille là-bas. On va aller là-bas. Non mais au moins avec cette quête, voilà, on pex de ouf le scanner, là. Voilà. Oh merde, oh merde, on se casse. Force. C'est vrai, ouais, putain, mais y a tellement de points à mettre, en fait, c'est ça. C'est pas que ça m'énerve, au contraire, c'est-à-dire que là, tous les points sont ultimes, mais j'avoue, le scan de masse des planètes et tout, là, bordel de merde. C'est quoi ça? Une mini-baleine. Oh, regardez. C'est une mini-baleine. C'est les baleines spatiales dans Star Wars avec Ezra. C'est des baby space whale. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Oula. Putain, ça c'est loin, hein. Oh là, modèle très réduit. Version figurine. La version figurine. Alors là, le problème, c'est qu'on quitte un peu le truc volcanique, donc j'ai... Je sais pas si ça va être le guac que tu vas me dire. Est-ce que ça sent le guac? Après, je vais me re-TP vers la mine. Allez, un peu de sport, là. Est-ce qu'on regarde un petit coup d'œil là-bas ou pas? Il y a du monde ou... Ouais, il y a des... En vrai, mais... Ça se trouve, il y a un loot de ouf malade. Mais là, on scanne. 40 mètres, j'ai scanné. Il y a encore des mille baleines. Quelle quête de merde! Oh, je trouve que c'est marrant, voilà, de voir. Surtout quel type de mob il y a. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries? Oula! Non. Toi bien, je suis gentil. Je suis un gentil humain. De toute façon, si vous me faites chier, moi je suis armé! Donc attention! Wouah, barrette! Ah! Barrette! Ok, vous voulez jouer à ça? Piou. Attends, barrette, bouge pas! C'est parfait, bouge pas, barrette!
Ça dégage. Silence. C'est mon fief ici. Ah j'avoue mais sache que attends il en reste un quoi. J'espère que c'est pas pour une étrange omelette alien, hein. Si tu... Oh non non non. Et c'est gentil les cafards ou pas? Tempérament prudent, normalement ça va pas me casser les couilles. J'ai un peu de mal à cerner voilà si les aliens sont... Bordel. Ok non ça, ça va être là-bas. Ah, dégueulasse ce truc, dégueulasse. Il y a tellement de tempéraments différents que j'ai un peu de mal à... Attends vous étiez comment vous là pourtant là? Vous étiez quoi vous? Mais c'est prudent et vous êtes venu me casser les couilles. JPP. Saloperie quoi. Vous êtes quoi là? Toi t'es prudent, j'ai envie de me casser les couilles toi, t'es en plus t'es herbivore. En vrai herbivore ça veut rien dire hein. C'est un peu con DV comme réflexion. Oh merde, oh merde. Cours, 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 cours. Ok, cactus est scanné. Et ça là. Allez. C'est mon biome terminé, oui, on a réussi. On a réussi, mais je veux voir ce qu'il y a là-bas là. Zou, c'est un tri. Oui, l'hippopotame c'est herbivore, oui, l'hippopotame c'est En plus, l'hippopotame c'est pas genre une des créatures les plus dangereuses pour l'homme, enfin qui a fait le plus de kills. Holy moly. Oh Mumba, attention à toi Mumba, attention. Sinon je t'envoie des cafards hein. Sinon tu vois ce mob Mumba, tu vois ce mob. J'ai un jeu dans 36, voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oh, c'est bon, c'est bon. Vous, pas, vous me cassez pas les couilles là. Holy moly. Oh putain, oh là là, oh, y'a de la connerie. Y'a de la connerie par ici. Moi, je veux savoir ce qu'il y a ici. Ah, il fait 34 degrés sur cette planète. Ah, oui. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Vestige glaciaire. Ce vestige en cours de fonte d'un glacier qui occulte témoin d'une modification rapide du paysage. Est-ce que là-bas c'est un autre trait ou pas? Comme ça on en finit avec cette planète. Pas pire que les Baskerville. Ah, franchement les Baskerville ça irait très bien dans Starfield hein. Oh oui. Oh oui Mumba.